Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une défense sur étranglement arrière avec l'avant-bras. Alors, au moment de l'étranglement, je tourne ma tête pour créer un espace. J'en profite pour passer mon épaule. J'ai à contrôler l'étranglement avec mes mains. Je lâche une des mains, l'autre bras est contrôlé contre la poitrine. Je tape très haut génital. Je reviens à recontrôler le bras. Mon pied qui est entre ses jambes, un arc de cercle. J'enchaîne coup de pied très génital, gauche, droite. Je viens de mettre en équilibre et je crochète avec la jambe. Nous allons voir deux petites variantes sur cette technique pour aujourd'hui. Donc sur la même attaque, au moment de la saisie. Même entrée. Je me tourne, je regarde, je prends un espace, je passe l'épaule. Je tire. Toujours coup très génital. Au moment où je sors, coup de pied, gauche, droite, coup de pied pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire la projection. Deuxième variante, au moment de la saisie, toujours la même entrée. Je me tourne, je passe l'épaule, je saisis le bras. Je tape, très important le contrôle du bras sur la poitrine. Je viens couler le bras, je tourne. Et là, je suis ancré le bras au niveau du coude. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions, contactez-moi ou allez sur notre page Facebook. Bonne journée et bon entraînement.